inutile. Putain, il me balance ça à la gueule, quoi. Inutile, quoi. Il aurait pu dire autre chose, je sais pas, moi. Original, épicurien. Ça va, passe à autre chose. Ouais, Gégé a raison. Concentre-toi sur le taf. Prouve-lui qu'il a tort. Vous pensez qu'il a tort? Bah non, il a raison. T'es quand même plutôt nul niveau fauchage. Putain, il était sympa comme pote, toi. Mais ça sert à rien de lui mentir. S'il veut avancer, il faut qu'il prenne conscience de certaines réalités. Elle a raison. Je suis un boulet. Mais un boulet qui paye sa tournée. Hé, hey, Jaco, remets-nous ça. Ah non, c'est bon. Moi, j'y vais, demain, il y a boulot. Salut Cyprien. Bonjour Gaspard. Comment vas-tu? Très bien. Écoute, les affaires marchent plutôt bien pour moi. Ouais, j'ai vu, c'est cool, t'es le nouveau boss du bureau. Merci. Et toi, ça va? Ça va. Non, c'est pas vrai. Je galère, j'y arrive à rien, tu me manques grave. C'est pas moi qui te manque, c'est mon travail. Non, pas que. Reviens, reviens, Cyprien, s'il te plaît, me laisse pas comme ça. Écoute, Gaspard, j'ai réfléchi. J'aime ma situation actuelle. Je préfère qu'on reste amis. Mais je suis paumé sans toi. Gaspard, je te dis que c'est fini. Tu dois me laisser partir. Fais pas ça, Cyprien. Gaspard. Oh, Cyprien, tu passeras dans mon bureau après? J'ai quelque chose de doux et de rouge à te montrer. J'arrive, Claudine. Mmh. C'est à cause d'elle, c'est ça? Ah, elle a pas fait que te monter le bourrichon, apparemment. Elle l'aime pas, ça, hein? Elle y est pour rien. Ouais, tu me prends pour un con. Tu crois que je vous ai pas vu vous rapprocher, là, pendant notre break? Oui, mais elle, en tout cas, elle me fait confiance. Elle me respecte. Toi, tu m'étouffes, Gaspard. Bon, puis laisse-moi, Claudine m'attend. Vas-y, va rejoindre ta pouf. Hein? T'en as rien à foutre de ce que je vais devenir, hein? Ah, je sais très bien ce que tu vas devenir. Tu resteras ce que tu es, ce que t'as toujours été. Inutile. Comme je vous le disais, l'équipe de privé de cette pétasse de Charlène est en train de flinguer notre rendement. C'est un problème qu'on doit absolument résoudre. Ouais, mais je vois vraiment pas ce qu'on peut faire contre eux. Ils ont plus de moyens, ils bossent en meute alors qu'on est seul ou à deux, et ils sont même pas soumis aux mêmes règles que nous. Non. Là, c'est de la concurrence déloyale. Tenez, par exemple. Moi, l'autre fois, j'étais en mission vidéo extrême. Ces salles privées m'ont carrément volé mon idée. Comment ils pouvaient savoir que je passerais par là? C'est un tracé que j'avais conçu la veille. Personne d'autre était au courant. Non. Ah, c'est Bobby qui vous le dit, les potos. Hein.
Il y a un truc. C'est pas normal, ça. Pour moi, le souci, c'est leur méthode. Ils n'ont aucune déontologie, les gars. Pince. Compresse, mademoiselle. Je sectionne la valve gauche en prenant soin de... Non, oh putain. Oh putain. Oh, vite, compresse. Équiophile, compresse. C'est bon, les gars. Vous pouvez le lâcher, le boulot est terminé. Elle nous fait une éclampsie du bulbe rachidaticien. Vite, mademoiselle, compresse. Moi, je me suis trouvé comme un petit gros en cours de sport. Et c'est vrai, nous, on prépare les accidents. Eux, ils ont qu'à les pousser. Comment voulez-vous qu'on rivalise avec ça? C'est comme Gaspard, avec son client du camping. Ils l'ont quand même bien grillé, les privés, hein? Enfin, là, les privés, ils sont pas pour grand-chose. Enfin, ils étaient quand même bien là pour vous pourrir. Pardon. Non, mais vous me faites rire, là, tout ça, vous plaindre, là. Trouvant des excuses, là, votre incompétence. Surtout Astérix, là. Rudy, et si t'arrêtais de te la péter juste pour voir ce que ça fait? Bernard, Bernard, j'entends votre frustration, mais là, il faut trouver une solution parce que ça devient gérable. Bonjour tout le monde. Oula, réunion de crise, est-ce que je vois? Oui, on brainstorm sur les faucheurs privés qui nous piquent nos clients. Ah oui, je vois, oui. Ah, ils flinguent vos chiffres, hein. Bon, après, il faut quand même admettre qu'ils ont du style, hein, ces petits salopards, hein. Réactivité, mes petits chats. Réactivité, c'est le maître mot. Après, vous inquiétez pas, vous êtes pas tout seul, on est là-haut, hein. Justement, je venais pour ça. En tant que responsable du secteur, je vous informe que votre bureau a été sélectionné pour participer au tournoi Carnage d'Interservice. C'est bien. Claudine, tu me donneras la liste de tes participants, s'il te plaît. On est obligé de le faire? Non, parce qu'on a d'autres problèmes à régler avant, quand même, non? Obligé, non. Mais fortement conseillé, oui. D'autant que cette année, une équipe de faucheurs privés est inscrite au tournoi. Une équipe dirigée par mademoiselle Charlène, ta copine. La salope. En personne. Mais attention, il n'y a aucune coïncidence là-dedans. Nous avons volontairement invité ces petits enculés pour que vous puissiez leur faire un bon petit pambo cucu dans les règles. Excellent. C'est bon pour tout le monde? Mmh. Bien sûr. Parfait, mes petits chats. Bon, moi je vais prévenir les autres. Bonne fin de journée. Bonne prépa. On se voit sur le terrain. J'aime ce moment-là. On est là tous ensemble. Les regards qui se croisent. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, toujours. Puis la jambe droite. Et après, je bois une gorgée de... Ah. Je tiens à ce que les choses soient bien claires. Pour l'entreprise, ce tournoi a quelque chose de festif et amical, destiné à célébrer notre travail et le secteur accident dans sa globalité. Mais ça, c'est pour la brochure, les gars. Pour moi, ce tournoi n'a rien d'amical. On doit tous les bouffer. Soyez bons, les gars. Je veux du travail d'équipe, de la rage, de l'abnégation. Et surtout, notre objectif premier, celui que nous devons garder en tête, humilier cette Charlène et son équipe de privé. Ces saloperies nous attaquent sur notre terrain, nous volent nos clients. C'est maintenant que ça s'arrête. Les gars, on y va. Allez, à l'attaque.